They are coming. Go, torch it. Burn it all. But what about the serum? Leave nothing. Now I will show you how I deal with informants. Finish him. With pleasure. These are the coordinates Ellis sent. Over there. It's Ellis. Executed. Leon, you find anything? The place is torched. I don't know what they were growing, but it wasn't narcotics. Romer knew we were coming. So what's our next move? We watch for the next viral outbreak. We won't have to wait long. Logan's report was clear enough. I want two additional teams assigned to this. Find Romer. I understand. Logan is my best agent. What do you want to do? Nothing. We will wait. We will wait and see what he can discover. Our WHO contact was correct. Everyone within 100 miles is dead. Not everyone. This man is still alive. How is that possible? It's not. What's going on, guys, et bienvenue pour du Siphon Filter sur PlayStation 1. Donc on repart en 99, donc je dirais à la limite même année que Metal Gear Solid, mais en vrai Metal Gear Solid sur PlayStation 1 est sorti à la base en 98. Nous on l'a reçu en Europe en 99, donc plus quelques mois plus tard on a eu Siphon Filter. Donc il y a eu 6 jeux en tout, si je me trompe pas il y en a eu 3 sur PlayStation 1, et après les autres ont été sur PlayStation 2. Je crois même qu'il y en a eu sur... la PSP, donc la PlayStation Portable. Mais en tout cas, on va s'attaquer, nous, au premier. Alors, personnellement, moi, j'ai des bons souvenirs avec ces jeux. J'ai joué aux trois premiers, en fait. Après, je me rappelle jamais avoir touché, en fait, à Siphon Filter sur PlayStation 2. Donc, j'ai dû faire les trois premiers. Ce sont des très bons jeux. Alors, on peut les comparer un peu à des Splinter Cell et Metal Gear Solid, mais ils sont un peu plus... Enfin, Siphon Filter, la franchise, est beaucoup plus action. Et elle est à la limite de l'arcade, c'est-à-dire que vous avancez, tirez, enfin voilà. C'est beaucoup moins stratégique, on va dire, qu'un Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, il faut éviter les ennemis, etc. Là, c'est beaucoup plus action, mais comme j'ai dit, c'est limite arcade, mais le style reste très bien. Il y a en fait, j'ai des très bons souvenirs dans ce jeu-là. À un moment, je me rappelle, c'est sûrement le 2 ou le 3 peut-être. On est largué avec un parachute. On arrive sur Terre, enfin on pouvait même contrôler le parachute. Alors pour moi c'était la première fois que je contrôlais un mec en parachute, c'était énorme sur PlayStation. Je me rappelle, on arrive sur Terre, il y a des méchants, on tire dans tous les sens, voilà. Il y a des bons moments, il y a des très très bons moments dans ce jeu, donc c'est plutôt cool. Et je dois dire que graphiquement, à la limite je dirais qu'il est peut-être un tout petit peu moins beau qu'un Metal Gear Solid, mais par contre les cinématiques sont assez sympas parce qu'on voit les visages bouger en fait, et on voit la bouche bouger pendant que les personnages parlent, donc c'est assez étrange, on dirait un peu des Lego les gens, mais c'est le style de Siphon Filter et les trois jeux, les trois premiers, je crois bien qu'ils ont plus ou moins les mêmes graphiques, peut-être le 3 un peu mieux, mais voilà, ils tournent sur le même engin. Donc, alors le training vidéo, c'est la vidéo d'entraînement, vous allez apprendre en fait les touches, etc. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ça, mais nous on va directement, je pense, lancer le jeu. Mais voilà, et par contre après c'était sans les joysticks, vous pouvez pas bouger la caméra, donc c'est un peu la merde. Mais bon, je vais vous montrer ça. En tout cas, on va arrêter avec cette démo. Et on va lancer directement le jeu. Alors il y a la version en français complète qui est disponible. Bien sûr, bon, moi j'ai la version anglaise américaine exprès pour les FPS, à chaque fois je le répète, je sais, mais je vous le dis. Mais il y a la version française complète qui est disponible. Donc nous on va être Gabriel Logan. Vous voyez, les personnages en fait on dirait un peu des Lego, j'ai l'impression. On dirait un peu des Lego, c'est marrant, mais c'est drôle, mais c'est ça, hein. C'est trop ça. Mais les bouches bougent et tout, les visages, ça va, sont corrects. C'est de la PlayStation, quoi. C'est 99 quand même, c'est vieux.
Roma's communications. Mais c'est plutôt drôle, je trouve. Donc toujours une allure de Lego en fait. You'll be dropped into the strike zone when the firefight begins. You'll have an hour to find your targets and take them out. Plutôt sympa. Locals know what they're dealing with? Mais en tout cas, c'était des bons jeux, hein. Donc édité par 989 Studios, plutôt cool. Développé par Eidetic, distribué par Sony Computer Entertainment. Et le concepteur, c'est John Garvin. Donc c'est lui qui est à la base des. Donc bon, on va aller tuer les mecs et après je vais vous montrer un peu les contrôles. Je vais essayer de vous un peu vous expliquer. Donc R1, on cible en fait automatiquement les ennemis. Et après Gab, parce que Gabe, on va l'appeler Gabe, parce que tout le monde l'appelle Gabe, on va pouvoir tourner autour de l'ennemi en fait. Si on maintient R1, donc il y a no target available, ça veut dire qu'il n'y a pas de cible. Mais après en fait il va cibler automatiquement. Le ciblage est extrêmement gentil avec nous, ça cible les cibles extrêmement facilement et de loin, des fois à travers un peu les murs on va dire. Mais c'est plutôt cool. Donc en bas à droite votre arme, en bas à gauche... c'est le... Hop. Vous voyez le ciblage automatique, je peux courir un peu tout autour de l'ennemi, j'ai vraiment pas de problème pour lui tirer dessus. Ça c'est les amis, donc c'est plutôt cool, ils sont plutôt sympas, j'aime bien moi les... Franchement moi je suis fan des graphismes pardon, de la PlayStation, genre c'est des mecs en cube. C'est marrant. Désolé. Bon, B, on peut faire des roulades. Bah voilà, on peut faire des roulades quoi. On peut se baisser en maintenant la touche croix. Donc on a de l'armure, après on a de la cible. Donc vous avez vu qu'il y avait un ciblage en fait en vert. Plus ça augmente et plus la cible, en fait plus votre ciblage est précis. Après vous pouvez passer même en première personne. Ça c'est un truc qui me tuait parce qu'en fait, en première personne, c'est comme un avion. Vous allez en haut, ça va en bas, vous allez en bas, ça va en haut. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais bref, on peut tirer. Et ça va être très pratique en fait pour mettre des headshots parce que des gens vont être en armure, etc. Donc il y a ça. Après le triangle, je crois que c'est pour recharger, pour faire des actions, parce que des fois il faut faire des actions. Après on peut changer d'arme, parce qu'on a plusieurs armes. Si on maintient, on a plusieurs armes. Donc là je crois que c'est un sniper ça. Ouais, c'est un sniper, plutôt cool. On peut zoomer. Comment on zoome? J'en sais rien, moi, comment on zoome. On peut strafer sur les côtés. Ah oui, on peut se pencher sur les côtés. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est plutôt unique, en fait, pour les vieux jeux. Genre, je me mets... Disons que je me mets là. Par contre, c'est assez dur de la maniabilité. Ça a mal vieilli, quand même. Et vous voyez que là, je maintiens... Donc, imaginez L1 pour me mettre en première personne. Et après, avec L2 et R2, je peux aller... je peux faire droite-gauche... Donc vous voyez que vous pouvez vous pencher en fait, ce qui est un peu... Enfin maintenant dans PUBG tout ça, dans ces jeux-là, on se dit c'est normal que ça soit, mais avant c'était vraiment pas répandu du tout hein, ce système de pouvoir se pencher pour viser. Et là on peut le faire, donc c'est plutôt cool. La caméra, donc vous avez aucun contrôle sur la caméra. Vous pouvez faire des strafes aussi à droite à gauche. Donc la caméra reste constamment derrière Gab. Bon, il faut s'habituer, franchement là j'ai l'impression de... Enfin, quand je vous regardais, j'ai pas vraiment de mal, mais faut s'habituer, faut vraiment s'habituer à la caméra. Donc voilà. Et après, il y a une arme ultra bien, c'est le taser. Le taser est terrible, vous allez pouvoir brûler les gens, parce qu'en fait, vous les électrocutez tellement longtemps qu'ils vont brûler. C'est énorme. C'est énorme, je le montrerai. Je sais pas si on peut passer par là. Non, non. On va voir. Il y a de la musique et tout, c'est cool. Tu contactes Liang Xing. Donc la touche triangle, c'est pour tout ce qui est objectif et faire des actions, je crois bien. Donc voilà, on a un nouvel objectif. Donc si on met pause aussi, j'aime bien le menu est très cool, franchement, est très bien fait. Donc on a la map qui est très bien détaillée, on a les objectifs, on a les paramètres aussi. Paramètres par rapport à la mission, hein, pas paramètres par rapport au jeu. On a le briefing et on a les armes, on peut même checker chaque fois les armes, genre M16, Firebrite, c'est la vitesse de tir, 4 barres, dégâts c'est les 2, il y a 2 barres, ils nous disent même combien de combien le chargeur est de balles, de combien de balles est le chargeur plutôt même.
Là, on a du sniper. Enfin, voilà. Franchement, il y a plein de petits détails comme ça, vraiment bien dans le jeu. C'est plutôt cool. En tout cas, on va remonter, on va passer par la porte. On fait des roulades. Oh, il y a des mecs. Vous voyez que là, il y a un mur, donc je le vois pas. Mais quand je me mets bien, enfin quand je l'ai en vue, plus je suis proche et plus j'ai une vue dégagée en fait. Et mieux je vais pouvoir viser. Donc ça aussi c'était assez sympa d'avoir ça. Et après il y a une troisième jauge qui s'appelle la jauge de danger en fait. Et plus la jauge de danger est... Ah, attendez que je me trompe pas. Plus elle est augmentée en fait et plus en gros ça veut dire le plus vous êtes ciblé par les ennemis. Et quand je crois qu'elle est rouge à fond et qu'elle clignote, ça veut dire qu'en fait ils ont une ligne de mire directement sur vous et ils vont vous toucher si vous tirent. En gros c'est ça. Ah, ouh, on va faire un coup de... Comment on fait? Headshot. Vous avez vu qu'il y avait écrit headshot. Est-ce qu'on peut passer? Yes, ouais, c'est triangle pour faire les actions, c'est bien ça. Ouh la vache. Ok. C'est un peu la merde franchement ce gameplay. J'avoue que ce gameplay a mal vieilli, a très mal vieilli. Il est pas pourri non plus, mais il a mal vieilli. Gabe, I'm getting interference. You must be near their communications array. Kravitch. Ah merde, j'ai plus de balles, fais chier. Il m'a insulté en russe. Oh merde, y'en a d'autres. C'est énorme. C'est marrant, moi j'aime bien. Il est où ce con? Il est là, il est derrière. C'est intense, c'est intense. Lui il a un pare-balles je crois. Et je me rappelle que ce jeu était dur hein. Moi j'en avais chié avant. C'est bon, il a plus de balles. Il a plus de pare-balles. Est-ce que je peux changer d'arme? Oh attendez. Ah merde, ça veut pas parce qu'il est mort. Ok, on l'a tué, c'est bien. Aussi on peut trouver des armes là. Oh yes. On peut faire ça et si on maintient le taser, il prend feu le mec. Oh putain, ce jeu, quoi. Mon dieu, je me rappelle d'avoir tasé des gens, mes jambes, pendant 10 minutes. Juste pour m'amuser, quoi. Voilà, voilà. Ah, c'est drôle, ce jeu. On a eu un fusil à pompe. On va utiliser le fusil à pompe communication. Ah oui, on doit le détruire. I've taken out and destroyed the comm equipment, but I don't see their uplink dish. I'll trace it. Ah, très bien. On va continuer. On va sortir, je crois. Je pense. Et ouais, je me rappelle que ce jeu, en fait, était extrêmement dur quand même à des moments. Genre, en gros, en fait, il était assez... on va dire... assez punitif, c'est-à-dire que les ennemis en fait avaient des super vues, genre tout ce qui est sniper et tout ça. En tout cas, c'est ce que je me rappelle. Alors peut-être que bon, ça va faire plus de 20 ans quoi, mais peut-être que maintenant ça, je dois sûrement faire le jeu les yeux fermés. Mais je me rappelle qu'il y avait des endroits quand même assez chauds quoi. Les mecs te tiraient dessus de très loin, avaient une très bonne vue, beaucoup de gens aussi. Aussi j'aime bien c'est que même que ça soit de la PlayStation 1 tout ça et que c'est vieux et tout, c'est pas super détaillé. En fait il y a des marques de sang, je me rappelle aussi que je tirais sur les gens en fait pour avoir des marques de sang pour tester. Enfin je sais pas si je voulais tester ou j'étais juste morbide mais vous pouvez faire ça, vous voyez qu'il y a des traces de sang en fait qui apparaissent. Et ce qui est marrant c'est que quand il se retourne là il a plus de vue. Enfin voilà, vous voyez un peu comment ça marche là. Le target là, plutôt sympa. Bon, on rentre, c'est parce qu'on doit aller à l'intérieur. Gaby s'en fout, il court dans les vitres lui, il les pète. Et il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de petits détails en fait qui rend l'action assez cool à jouer en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui est important dans le jeu. C'est que l'action est toujours sympa à jouer.
Genre on tire au fusil à pompe, les mecs ils sont repoussés, tout ça, ils tombent par terre et tout, c'est plutôt cool. Ok, on avance. Et des fois aussi, pour augmenter la précision, en fait, faut se mettre accroupi. Voilà. Vous avez vu que target, que cible, le ciblage là, était beaucoup plus précis. Là, par exemple, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est dans un sens, c'est super réaliste parce que si vous faites que bouger, en fait, le ciblage met un moment, mais très longtemps à monter. Et c'est vrai que c'est dur de cibler quand on bouge. Et quand on arrête de bouger, ça augmente jusqu'au maximum. Et après, il y a aussi le fait de se mettre accroupi, donc mettre un genou par terre, hop, direct, ça augmente directement. C'est cool. Ce petit détail et tout ça, c'était vraiment bien. Vraiment stylé, en fait, ce système de gameplay. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est... Comme j'ai dit, c'est beaucoup plus action qu'un Metal Gear Solid, quoi. Il y a des explosions, on tire sur tout le monde. Mais c'est vraiment cool. Ce jeu est vraiment cool. Je vous le conseille. Franchement, je vous conseille de, si vous voulez le ressortir ou refaire les jeux. Ça reste encore des bons jeux. Après, je sais pas vraiment comment ça... Ok, Flak Jacket, c'est l'armure. Je sais pas si ça a très bien évolué, en fait, vu que j'ai fait que le 1, 2, 3. Je sais pas ce que ça donne, en fait, sur PlayStation 2. Peut-être qu'à l'occasion, j'en sortirai un. Mais, après, si la franchise... Oh, putain. Je me disais, pourquoi je suis en danger, je vois personne. Après, si je pense que si je vois que la franchise est morte, je me dis que ça a mal évolué. Je pense, j'en déduis que ça a très mal évolué et que ça a plutôt pas bien marché. Là, on a un mec qui est en train de désarmer. Très bien. Encore une cartouche. Après, vous pouvez le prendre. Vous pouvez prendre le jeu comme quoi, bon, vous courez partout, vous tirez sur tout ce qui bouge. Oui, c'est comme ça. Beaucoup, 80% du jeu, c'est ça. Mais des fois, il y a des moments, en fait, d'infiltration. Où il faut complètement éviter les gardes et tout. Et bon, c'est vrai que j'avoue que ces moments-là, en fait, sont très frustrants, par contre. Hein. Je me rappelle que c'était plutôt la merde. Normalement, on a une lampe. Ok. Oh, des grenades. Ouh, grenade. Et les grenades, faut quoi? Faut les équiper? Ouais, ok. Ça marche. J'aime bien aussi, c'était vraiment le truc quand il tourne, il penche sur le côté. C'est des trucs marquants, en fait, quand on y a joué à ce jeu, c'est marrant. C'est drôle. Plutôt cool. On s'est toujours pas fait toucher, hein. Ah. Tiens, on se fait tirer dessus par les snipers. Ok, très bien. Hop. Vous voyez, cette façon de jouer, là, de se mettre accroupi, tout ça, ça rend quand même beaucoup au jeu. Ça le rend vraiment assez intéressant, assez stratégique. Mais c'est vrai que je pense que quand j'y ai joué la première fois, enfin, j'étais petit, quoi, je devais avoir 10 ans, peut-être 12, 13. J'ai sûrement pas dû le faire, donc rendant le jeu beaucoup plus dur. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire que ça a pas dû aider. Par contre, les mecs, ils ont l'air d'être un peu aveugles. Et des fois, ils reviennent un peu à l'infini aussi, j'ai remarqué. Ok, de quel côté on va? Parce qu'il faut pas que je me gourre. Hein. Aussi sur la map en haut à gauche, vous voyez la barre là.
qui tourne en fait quand je change de d'angle, c'est l'objectif. Si je me trompe pas. On va regarder un peu la map vite fait.